Bonjour à tous, c'est KenGame2 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Creed, le nouveau film qui vient de sortir à peine maintenant en janvier. Alors déjà je vais enlever ça parce que je crève de chaud. Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle après-séance de Creed que je suis allé voir dernièrement, il y a 2 jours de ça. Donc c'est vrai que déjà le film est sorti il y a déjà 1 semaine de ça, donc c'est vrai que je le fais un peu en retard. Parce que je voulais le voir la semaine où il est sorti, mais le problème c'est que j'ai eu des complications, donc je n'ai pas pu. Donc j'étais très déçu parce que j'étais très impatient de voir ce film. Sans compter que là dernièrement j'ai eu la grande chance de pouvoir revoir tous les autres Rocky. Que ça faisait bien longtemps que je les avais pas revus. Je crois que ça fait depuis près de 2 ans que je les avais pas revus. Alors là j'ai refait tout le marathon. Et ce qui m'a assez surpris, c'est que c'est vrai que je les avais vus il y a longtemps, les Rocky, mais ça m'avait pas marqué que ça. Mais maintenant, étant donné que, sans vouloir me vanter, je connais un peu mieux les films, et je suis plus à... je comprends un peu mieux les films, il est vrai que je trouve que la saga Rocky est une excellente saga. C'est vraiment une très bonne saga, c'est vraiment un plaisir d'avoir revu cette saga. Et chacun apporte quelque chose à la saga, et surtout... chacun est très bon, mis à part peut-être le cinquième qui est pour beaucoup le plus mauvais, pour beaucoup de raisons, le 5 est pas bon. Mais là, on arrive avec ce 7ème film, qui n'est pas vraiment un 7ème film puisque c'est un spin-off, et pour moi ça a commencé un peu mal sur ce côté-là. J'avais très peur d'aller voir Creed, en grande partie à cause de ça. Donc je m'explique. Donc le film est un spin-off, donc c'est-à-dire que il appartient à l'univers Rocky, mais ce n'est pas réellement un Rocky, comment dire. On va suivre un autre personnage que Rocky. Rocky n'est plus le personnage principal. Là en l'occurrence c'est Adonis Creed, Adonis Johnson de son vrai nom, enfin le nom qui se donne puisque le personnage ne veut pas ressembler à Apollo. Apollo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Apollo est en fait le rival de Rocky dans les premiers films. Et puis après il devient son ami, dans le troisième, où il commence à l'entraîner et tout. D'ailleurs c'est un très très beau film, le troisième. Donc il commence à l'entraîner, et il aide à pas l'entraîner, il était déjà entraîné, mais il le remet à niveau. Donc il fait quelque chose pour lui, et ces deux personnages qui étaient autrefois ennemis deviennent amis, jusqu'à la mort d'Apollo Creed dans le quatrième film. Donc par le nom, Drago, je crois qu'il s'appelle comme ça, Drago, oui c'est Drago, par Drago, un boxeur russe qui, pendant un combat, tue Apollo. Cette fois-ci, on suit le jeune Adonis dans son parcours initiatique pour devenir champion du monde. Alors ce qui est très intéressant avec ce personnage, il est très attachant, il est extrêmement attachant, et la relation qu'il a avec Rocky est excellente. Alors c'est vrai que c'est peut-être une relation qu'on a vue 1000 fois dans un film, peut-être, mais le fait que ce soit Rocky, le fait qu'on sait tout ce qui lui est arrivé avant, et le fait que finalement c'est le film qui passe le flambeau à ce jeune, le plus vieux passe le flambeau au plus jeune, c'est très beau à voir, et leur relation est vraiment très très belle. Déjà dans le film, Adonis l'appelle, il appelle Tonton. Donc c'est vrai que c'est un peu anodin. Au début ça chagrine un petit peu Rocky, mais finalement Rocky s'aperçoit que finalement il est en partie de sa famille lui aussi, puisqu'il était très proche de son père, mais là il devient peut-être encore plus proche avec le fils. Et c'est vraiment une relation extrêmement intéressante à regarder et à suivre. Donc j'espère qu'il y aura des suites où on pourra continuer cette relation. En personnage aussi attachant, il y avait peut-être la copine qui, voilà, ce n'est pas une Adrienne, elle a peut-être un peu plus de punch, parce qu'Adrienne pendant un bon moment dans les Rocky n'était pas très elle était très timide, tout ça. Elle on dirait qu'elle a un peu plus de punch. Et voilà, donc c'est un très bon film. Alors, les trucs qui me faisaient peur avec ce film avant d'aller le voir, et ce que j'avais très peur, c'était que le film crache à la gueule de tous les autres Rocky.
Et finalement, non. Finalement, non. J'avais vraiment peur qu'en fait, ils les renient tous. Et qu'ils fassent de Creed un peu n'importe quoi et un peu ce qu'il veut. Ce qui n'est pas le cas. Le film a énormément de liens avec les anciens. Ne serait-ce que par Creed, tout simplement. Par Apollo Creed. Et donc, sur ça, je suis pas déçu du tout. Ensuite, voilà, je pense que sur ça, c'était ma plus grosse crainte du film. Mais sinon, le film envoie du lourd, et c'est le cas de le dire. Ce que j'ai toujours aimé dans les Rocky, c'est que ce n'est pas que des films de boxe. Ce qu'il faut vous mettre dans la tête, parce que c'est vrai que beaucoup me disent « Ouais, Rocky, c'est voilà quoi, c'est le mec qui fait que se battre et tout. » Non, Rocky, c'est des films très humains. C'est des films qui ont des messages derrière tout ça, des messages sur la vie, ni plus ni moins. Je me rappelle d'une phrase magnifique qui était dans le 6, par exemple, où Rocky parle à son fils et il lui dit « Voilà, rien ne frappe plus fort que la vie. La vie te mettra toujours à genoux, mais toi, il faut que tu la combattes et que tu te mettes toujours debout. » Et voilà, donc, ce sont peut-être des paroles de catcheur, de catcheur, décidément. Ce sont peut-être des paroles de boxeur. Il le fait avec ses propres paroles, parce que Rocky, il faut savoir qu'il est pas, donc il a pas fait c'est pas un Einstein, on va dire, hein. Donc dans ses paroles, tout ça, donc il est un peu bébête, c'est vrai, Rocky, mais il a toujours des belles paroles à dire. Et là, pour le coup, là, c'était très très beau à voir, contrairement au cinquième, où, alors c'est vrai que j'avais entendu des gens dire, ouais, mais il ressemble un peu au cinquième, à ce niveau-là, puisque dans le cinquième, il entraîne quelqu'un, mais là, ça n'a rien à voir. Déjà, la relation qu'il avait avec le personnage du cinquième était pourrie. On n'y croit pas une seule seconde. Et puis en plus, celui qui l'entraîne se retourne contre lui et veut ensuite le boxer. Donc ça n'a rien à voir. Alors que là, il y a une scène où, oui, Adonis il s'énerve contre Rocky. Parce qu'en fait, Rocky, alors je spoil un petit peu, a un cancer dans le film. Donc il attaque une chimio et tout. Donc sur ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est Adonis qui va le pousser à faire la chimio. Il a dit, si moi je combats, vous aussi. Donc ça, c'est vraiment des trucs un peu, comment dire, ce sont des trucs assez intéressants à voir et à suivre. Donc là, il y a une scène où il s'énerve contre Rocky, c'est une scène assez touchante, c'est une scène très touchante. Aussi des scènes comme ça, quand on voit littéralement Rocky crouler, tomber sur le ring pendant qu'il entraînait Adonis, moi ça m'a fait des frissons cette scène, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait vu que Rocky se fermer de KO, mais KO par des gens, jamais par la vie. Et là, c'est de voir un Rocky faible, un Rocky vieux, ça fait quelque chose au ventre. Déjà, rien qu'à la fin, la scène de fin où on le voit marcher sur ses fameuses marches, ça fait un petit pincement au cœur de voir Rocky devenir ça. Mais c'est la réalité. Il a eu une très belle vie, il a eu une très belle carrière, mais maintenant, il doit passer le flambeau. Il y a un moment, il faut arrêter. Voilà, c'est ce que le film, en gros, veut dire du côté de Rocky. Et pour le jeune, il doit s'épanouir. Et il doit devenir ce qu'était son père, voire plus. Un autre truc aussi, c'est que je suis très content que le film se démarque. Parce que même s'il fait partie de la lignée de Rocky, même s'il n'oublie pas d'où il vient, donc c'est très important, un film qui n'oublie pas d'où il vient, et qui respecte ses origines, c'est un film qui veut aller de l'avant et c'est un film qui pose ses burnes sur la table, ni plus ni moins. Donc c'est un film qui se démarque, qui essaie de faire du neuf, quelque chose de différent des autres Rocky. Déjà, un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas trop utilisé la bande-son de Rocky, puisque ça n'aurait aucun sens, puisque là c'est Creed. Y a quand même à un moment la bande-son de Rocky, parce qu'ils ne pouvaient pas non plus l'éliminer, et puis une scène tellement forte que c'était bien de la voir à ce moment-là. Mais franchement, le film est, je dis chapeau, c'est vraiment un excellent film. J'avais pas pris un pied d'enfer comme ça devant un film que j'attendais pas, parce que Creed n'était pas du tout un film que j'attendais. En fait, il est même sorti comme ça un peu au hasard, puisque je ne savais même pas qu'il était prévu qu'il fasse un film comme ça. Et finalement, ils l'ont fait. Et donc, ce qui m'a permis aussi de revoir tous les Rocky et de constater à quel point j'aime cette saga. Et je les ai revus en boucle, donc je peux vous garantir que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Rocky. Et j'accueille ce nouveau-né avec à bras ouverts, ni plus ni moins, Creed. Je suis impatient de voir s'ils vont faire des suites. Et tout aussi bonnes que celui-là, voire meilleures, qui sait. Mais là, franchement, chapeau. Chapeau. Enfin,
je tire ma révérence, là, c'est excellent, c'est franchement excellent. Donc voilà un petit peu pour mon après-séance. Alors un avis très positif, très très positif. Sans compter aussi qu'il a une excellente bande sonore pendant tout le film. La musique, le thème de Creed est excellent. On dirait presque que le mec il part en guerre. mais elle est excellente. La musique de Creed est excellente. Donc la bande son est excellente. Et sinon je crois que... Ah oui, un dernier truc, c'est vrai que ils ont changé le style de caméra. Donc c'est vrai que quand on voit les combats... quand on suit les combats, en fait, c'est la caméra tourne autour des boxeurs et ne s'arrête pas. En fait, il y a pas beaucoup de champ contre champ et c'est on suit le combat de A à Z en grande partie. Bon, des fois il y a des champ contre champ, mais beaucoup moins que dans Rocky. Ça donne un effet, on va dire, comment expliquer, un effet plus sec, un effet comment je peux vous expliquer. On est plus dedans, on va dire, ça nous sort moins, parce que quand on fait des champs contre champs, c'est vrai que d'une certaine façon, ça nous sort un petit peu de ça, même si les films de Rocky ont toujours été excellents sur ça, c'est sur les combats, et là, franchement, on sent que ça frappe, on sent que ça se donne, et on sent qu'ils n'ont pas fait semblant ils se sont vraiment bien entraînés pour faire ce qu'on voit dans le film. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur mon appréciation de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, un excellent film. Alors si vous n'êtes pas allé le voir, allez le voir. Si vous n'avez pas vu la saga Rocky, je vous la recommande, c'est une excellente saga. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Tu dois être capable de choper un de ces piafs. Sérieux? Un peu que je suis sérieux. Les poules, c'est plus que c'était.